Alors, ça a été tout simple, c'était l'opportunité de reprendre la carrosserie familiale. Et c'est vrai que je me suis dit, bon allez, pourquoi pas. La carrosserie, elle allait bientôt sur ses 30 ans. C'était vraiment une belle opportunité de reprendre cette entreprise familiale et pourquoi pas après la faire perdurer et voilà par la suite. Et en fait, avec vous, c'est passé direct et vous m'avez suivi d'entrée de jeu sur mon projet. Alors, j'étais commercial chez Wurth pendant 14 ans. Sur les dernières années, je m'occupais des clients à fort potentiel. Donc, mais rien à voir avec le milieu de la carrosserie. J'étais plus dans la partie menuiserie, serrurerie. Et voilà, donc c'est vraiment un domaine qui m'était inconnu. Du coup, j'ai intégré dès septembre au lycée Roger Clostre, où je naviguais entre les trois classes seconde CAP, terminale CAP et les CAP peinture uniquement les mercredis matins, parce que je vous avais demandé en fait de pouvoir faire un petit peu de peinture pour au moins comprendre un minimum la peinture en cabine. Donc toute la semaine du lundi au vendredi, je naviguais entre les trois classes, un cursus scolaire normal. Complètement, parce que l'avantage de cette formation, c'est que quand on est en conditions réelles en carrosserie, on se retrouve à avoir des chantiers, par exemple des ailes à réparer, des portières ou quoi que ce soit, et on n'a pas de temps. On a 2 heures pour faire telle chose, une aile ou et l'avantage de l'école, c'est que du coup, on peut se permettre ce qui doit nous prendre 2-3 heures en conditions réelles. On a toute une journée au niveau de l'école. Et ça, c'est vraiment bien parce que ça nous permet de prendre notre temps, d'apprendre les gestes et d'apprendre le métier à notre rythme. C'est ce que je disais souvent aux jeunes, et vous avez la chance d'avoir un atelier mais flambant neuf avec un super équipement, et l'équipement qu'ils ont au lycée, c'est ce qu'on a nous en conditions réelles. Non, parce que c'est moi qui ai voulu faire cette formation, donc l'investissement, il était volontaire et j'étais super content d'aller à l'école. Bon, même si ça fait bizarre, tous mes copains, même famille, ils en ont bien rigolé parce que je retournais à l'école. Mais non, moi c'était un plaisir d'aller apprendre. C'est ce que j'ai toujours dit, à 37 ans, j'ai la chance d'avoir appris quelque chose de nouveau que je connaissais pas, que je maîtrisais pas surtout. C'est vrai que ça a été une grande chance. C'est un regard très positif parce que tout s'est super bien passé. Du moment où j'ai intégré Greta pour faire ma demande au moment où j'intègre le lycée, même où je finis le lycée avec le CAP, c'est vrai que ça a été. Tout s'est très bien passé. Et l'avantage du lycée Roger Clostre, c'est que les enseignants, les professeurs, c'était quasiment tous des anciens professionnels, des anciens carrossiers. Du coup, le métier, il le connaissait, mais il connaissait vraiment le vrai métier en atelier. Donc c'est vrai que ça, du coup, ça m'a permis d'apprendre plus vite et d'apprendre des petites astuces qu'ils ont pu me donner. Sans problème, parce que c'est vraiment une année déjà qui passe très vite. On se dit toujours, retourner à l'école, je pourrais jamais. Mais en fait, on se rend compte qu'un an, c'est rien. Un an dans toute notre vie, c'est rien. Et puis si ça permet d'avoir des débouchés et que ce soit de la carrosserie ou autre chose, faut y aller les yeux fermés parce que ça passe vite. Et puis quand on est motivé, quand on a envie et quand c'est nous qui décidons de le faire, il faut le faire.